170 journalistes présents ici à Shanghai, quelques heures avant l'ouverture du salon automobile, pour découvrir ce tout nouveau SUV, c'est le C5 Aircross de Citroën, évidemment. Alors, Citroën se lance enfin dans le SUV. Il n'y a pas que Peugeot qui fait des SUV dans le groupe PSA. On connaît évidemment le 3008 et le 5008. Eh bien, le C5 Aircross en est très très proche, puisque 80% des pièces sont communes avec celle du 3008. Évidemment, la plateforme, c'est la même. On retrouvera aussi les mécaniques essence et diesel. Et en 2019, une version hybride rechargeable essence plus électrique d'environ 300 chevaux et qui permettra à ce C5 Aircross d'avoir des roues arrière motrices. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté très 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 importante pour Citroën. On va vous donner les détails un petit peu plus tard, mais je peux vous dire pour l'instant qu'elle sera commercialisée avant la fin de l'année, donc 2017, ici en Chine, et qu'elle arrivera chez nous pas avant fin 2018. C'est vrai que l'exercice n'était pas évident pour Citroën. Novice en SUV, le constructeur au chevron devait proposer un C5 Aircross au style très différent de celui des 3008 et 5008, qui ne manque pas de caractère. Plutôt réussi, ce C5 Aircross affiche de vraies caractéristiques de SUV, avec des grandes roues flanquées dans les coins, une garde au sol assez importante et un capot très horizontal. Alors, ce qui est primordial dans une voiture qui est destinée avant tout au marché chinois, c'est évidemment la place qu'il y a pour les jambes à l'arrière. Et regardez, dans ce C5 Aircross, on est très très bien. Un reproche toutefois, c'est comme à l'arrière d'un Peugeot 3008, le plancher est un peu haut ou la banquette est un peu basse, vous choisissez. Et donc, on a tendance à avoir les genoux qui remontent un peu. Chez nous, il est très probable que la banquette soit avancée de quelques centimètres pour profiter au volume de coffre qui, avec seulement 482 litres, apparaît trop juste dans la catégorie. À l'avant, la planche de bord est plutôt bien dessinée avec, et c'est devenu une habitude chez PSA, un écran tactile et une instrumentation digitale pour le conducteur. Le C5 Aircross, c'est 4,51 m de long, c'est plus petit qu'un 5008, mais c'est plus grand qu'un 3008. Les voitures sont assez proches, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme le 3008, ce SUV compact signé Citroën sera construit en France, à Rennes, et repose sur la même plateforme modulaire EMP2. Il est donc très logique qu'il hérite des moteurs essence et diesel du groupe, dont les puissances devraient osciller entre 100 et 180 chevaux. Voilà, on vous a dit tout ce qu'on savait sur cette nouvelle C5 Aircross ici à Shanghai. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous l'année prochaine parce qu'on pourra l'essayer. En attendant, évidemment, continuez à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Et moi, je vous dis à très bientôt sur automoto.com. Ciao !